Très cher curieux, bienvenue dans ce Versus, point d'interrogation 4.1, avec Édouard Broussaléan, une des grandes figures francophones de l'homéopathie. Édouard Broussaléan a récemment publié 3 vidéos de réponse à ma première vidéo, fake, point d'interrogation, 8.1, concernant l'homéopathie. Je ne pense pas qu'il ait répondu à la 8.2. Réponse que je vous incite vivement à aller voir. Ils sont dans la description et dans les fiches. Je trouve qu'il l'a fait avec respect et de façon constructive. J'en ai pris pour mon grade, mais à la mesure des sarcasmes que j'avais dans la 8.1, donc j'ai envie de dire que c'est une réponse de bonne guerre. Et il m'a l'air tout à fait de bonne foi, donc je suis extrêmement heureux de le recevoir dans Versus. Versus, c'est l'émission où on confronte non pas nos arguments, mais où je tente de comprendre les méthodes de mon invité pour voir s'il y a des choses que je pourrais apprendre de celle-ci, étant donné que nos conclusions sont actuellement diamétralement opposées. Donc je le répète parce que c'est pas toujours clair, si vous cherchez un débat d'arguments avec des gentils et des méchants et quelqu'un avec qui tenir et espérer qu'il va gagner à la fin parce qu'il va envoyer des super vannes, passez votre chemin, vous allez vous ennuyer. Ici, on va tout faire pour pratiquer ce qui s'appelle un entretien épistémologique. On va parler de comment on sait ce qu'on sait et non pas se lancer des tomates en mode sniper. Comme toujours, mon invité et moi-même acceptons de respecter du mieux possible la dernière version de la charte de Versus, point d'interrogation, vous trouverez dans la description. Alors, Édouard, vous êtes médecin depuis 1988, chez vous on est homéopathe de père en fils, vous êtes président d'une association lobbyiste d'homéopathes, la coordination des homéopathes français. J'en profite d'ailleurs pour rappeler brièvement que le mot lobbyiste ne veut pas dire méchant manipulateur de l'ombre. Vous êtes également administrateur de l'association Homéopathes sans frontières France, joli clin d'œil, mais sans lien avec Médecins sans frontières, je précise. Vous avez également fondé l'École nationale d'homéopathie, l'ENH, qui offre des cours d'homéopathie par correspondance. Et vous dirigez le site web Planète Homéo, un grand incontournable de la profession. N'hésitez pas à me corriger ou à compléter cette présentation. J'ai fait du mieux que j'ai pu avec ce que j'ai trouvé sur Internet. Et j'en viens maintenant à ma question rituelle. Cher Édouard, bienvenue. Comment allez-vous ? Salut Samuel, j'ai pris le temps de te répondre un petit peu par ma petite vidéo. Tu me diras si ce format te convient ou ça ne te convient pas. Et j'ai appelé de manière assez marrante, j'espère, nos petites émissions Airbnb, puisque c'est Buisseret et Broussaléan. Ça m'a semblé rigolo de faire comme ça. Tu me diras si tu vois une objection. Pas de problème de mon côté. Je voudrais te répéter mes réserves sur l'exercice qu'on va essayer de faire, puisque j'ai eu le plaisir de travailler sur 3 émissions où je pense l'essentiel a été dit, mais rien n'empêche qu'on puisse revoir certains points ensemble bien volontiers. Alors, première question, puisqu'on est dans les présentations, qui est Samuel ? J'avoue que je préfère te demander directement à toi plutôt que de regarder par page internet interposée. Je voudrais savoir notamment quelle est ta formation universitaire. Je voudrais connaître aussi tes éventuels conflits d'intérêts, s'ils existent. Et puis, te demander quand même une question qui me démange, puisque je me suis donné la peine de prendre 3 heures pour répondre à 15 minutes à peu près de ton émission sur l'homéopathie. De demander comment ça se fait que, de manière flagrante, je veux dire, tu n'as pas du tout creusé la question. Donc, tu as tout à fait le droit de me dire « Oui, en effet, j'ai été trop léger et je suis tout à fait prêt à l'admettre ». On a décidé de parler entre gens de bonne compagnie. Je suis moi-même un mec relativement sympa, il paraît. Donc, c'est comme ça que je te trouve aussi. C'est pour ça que je suis là. Donc, je voudrais que tu puisses éventuellement me répondre à ces questions-là. Par ailleurs, en ce qui me concerne, je n'ai aucun conflit d'intérêt. Je crois que j'ai dû recevoir dans ma vie un agenda de la part du laboratoire Schmitt qui, à l'époque, me remerciait du coup des prescriptions que je faisais à mes patients. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à déclarer. Comme je l'ai dit, ce qui est très fatigant avec toutes ces histoires de sceptiques, c'est que je pourrais, si tu veux, faire moi-même le sceptique tellement les arguments sont absolument photocopiés et que quand tu les lis en Australie, quand tu les lis en Angleterre, quand tu les lis en France, c'est vraiment affligeant de voir le copier-coller que ces gens se font les uns avec les autres. Donc je crois que je suis arrivé à la conclusion logique qui est que certainement les sceptiques ont découvert la télépathie, puisque si nous partons du principe qu'ils pensent tous de manière indépendante, je ne vois pas trop de quelle manière on peut expliquer ce phénomène. Peut-être que tu as une meilleure explication de ton côté. Donc voilà, sous toute réserve, en espérant qu'on puisse rendre un petit peu les choses utiles pour les gens, j'espère que notre petite série
Des missions pour plaire. Alors déjà, il me semble utile aussi pour les présentations de corriger justement ce que tu as dit dans ton premier clip qui n'est pas correct. La coordination n'existe plus depuis belle lurette, puisque à l'époque c'était en 99, je me suis retrouvé impliqué là-dedans parce que le gouvernement français à l'époque voulait interdire ce qu'on appelle certains nozotes, c'est-à-dire des préparations qui sont faites à base de produits pathologiques, et là aussi ça sera un chapitre si tu désires qu'on évoque ce sujet. Donc à l'époque internet était encore mal connu, nous on était bien implantés par Planète Homéo et on a pu faire partir 300 000 cartes postales, ou plutôt arriver 300 000 cartes postales auprès du gouvernement, ce qui a permis de le faire fléchir et qu'on nous foute la paix, voilà. Donc je sais même plus comment s'appelait le ministre de l'époque, mais on s'en fout éperdument puisque ces gens-là sont en place pour la défense des intérêts de l'industrie. Et tu remarqueras une chose intéressante, c'est qu'on oublie totalement les noms de ces personnes, alors que bizarrement, tous les grands noms de l'homéopathie ont traversé les siècles. Ça, c'est un indice qui me semble assez fiable. L'école nationale d'homéopathie, pareil, tu me cites, mais l'école n'existe plus non plus depuis 99. Donc tu vois que tes informations sur internet sont passablement vérolées. Pour résumer, il ne reste que Planète Homéopathie, donc c'est vrai, je suis quand même très fier parce que c'est mon bébé depuis 96. J'ai diffusé beaucoup de textes et d'articles pour défendre l'homéopathie. Et finalement, l'idée de base, c'est que l'homéopathie est pour le moins malmenée par des gens qui la pratiquent ou qui croient la pratiquer sans l'avoir jamais étudiée. Et je suis très content de te dire que grâce à mes efforts sur Internet, entièrement avec mes fonds privés, puisque je me suis payé le matériel vidéo qui actuellement me sert à te parler, et à enregistrer des cours, puisque le problème, c'est que si on veut former correctement les gens, il faut au bas mot 500 heures de formation pour arriver à concevoir à peu près l'ensemble de l'homéopathie. Notamment, ça nous permet de poser aussi une autre question qui est très importante, c'est que qu'est-ce qu'on peut appeler un homéopathe? Parce que tu penses bien que je ne suis pas solidaire de beaucoup d'études qui sont faites au nom de l'homéopathie et où on voit les principes élémentaires de l'homéopathie bafoués, donc ceci ne peut pas s'appeler de l'homéopathie. Il me semble tout à fait important, si tu veux déjà, dans une première mesure, de définir qu'est-ce que c'est que l'homéopathie. C'est, j'espère, quelque chose que tu me demanderas aussi, et sinon que j'aborderai pour notre prochaine fois. Donc l'idée, c'est vraiment de comprendre que, de la même manière que si tu prescris un cachet d'aspirine, tu ne deviens pas forcément un médecin. De la même manière, si tu donnes un globule d'arnica, tu ne deviens pas un homéopathe pour autant. Alors, toutes les mères le savent, parce que c'est un phénomène qui devrait attirer l'attention. La moindre maman qui donne arnica et qui voit régresser la bosse que son fils ou sa fille vient de se faire pose la question suivante, c'est que si ça fonctionne avec arnica, pourquoi ça ne fonctionne pas avec le reste? Et ce sont toujours avec des petites particularités comme celle-ci qu'on débusque généralement dans l'histoire des sciences un nouveau paradigme. Par exemple, à l'époque où on pensait que l'essieu était inamovible, le fait qu'il y ait une nouvelle étoile, une nova, on a gardé le nom, qui apparaisse, remettait en cause l'ensemble de la perception du ciel et de la cosmologie. Donc ici, de la même manière, le fait que arnica, tout le monde peut constater que ça fonctionne, est un gros pavé dans la mare aussi. Donc là aussi, ça sera intéressant de nous expliquer que ces mamans, elles doivent rêver, ou elles ont mal compris, ou je ne sais quoi encore qu'on pourra inventer. Voilà. Donc je pense qu'il est vraiment important de définir tous les critères avant de parler. Et ça me fait rebondir très rapidement sur le niveau lamentable de formation actuelle de la médecine. Alors heureusement, il reste des gens motivés et qui vont essayer d'acquérir les outils médicaux, mais aujourd'hui, tu imagines que la plupart des gens ne sont même plus capables de faire un examen clinique correct. J'ai vu encore, il n'y a pas très longtemps, un patient qui consultait pour une douleur de la hanche chronique. Donc il a eu radio, scanner, IRM de la hanche, il a consulté deux spécialistes. Et pour finir, j'ai été le premier à le faire déshabiller et pour constater qu'en fait, c'était une douleur d'herpès, de zona, si tu préfères, pardon, qui était dans le dos et qui irradiait à la hanche. Et personne ne l'avait examiné et ce monsieur avait généré des milliers d'euros de coûts médicaux. Donc ici, c'est quand même frappant. Dans ma slide, c'est pareil. Si les étudiants ont aujourd'hui besoin d'un scanner et d'un IRM pour faire un diagnostic de pneumonie, ça donne une vague idée de ce qu'est devenu la médecine actuellement. Et nous devrons aussi, du coup, parler de l'état lamentable de la médecine et de l'état lamentable aussi des étudiants en médecine. J'ai une thèse à te sortir récente sur l'état de santé de ces jeunes gens, et on pourra en parler si tu veux. Donc ce qui est déjà frappant, c'est de voir le niveau de compliance de ces étudiants qui avalent tout ce qu'on leur raconte sans
pratiquement faire la moindre critique. Et ça, c'est aussi perturbant. Aujourd'hui, du coup, on se retrouve, et toute la filière mène à ça, c'est-à-dire de former finalement des techniciens qui sont complètement, à des années-lumière de la réalité clinique des patients. Parce que c'est bien joli de nous sortir des études, des machins, mais qui va se donner la peine d'aller voir de temps en temps comment les patients se sentent, est-ce qu'ils sont ravis ou pas de leur traitement. Et finalement, toute cette médecine ne sert qu'à produire des examens et des actes médicaux, toujours qui s'empilent comme des strates et qui génèrent effectivement des quantités absolument faramineuses d'argent. D'ailleurs, à mesure de robotiser les médecins, comme je te le note ici, je pense que la prochaine étape, ça va être de se taper la vraie médecine scientifique, celle qui sera faite par l'intelligence artificielle, et on va pouvoir bien rigoler quand on en sera là. Et si tu veux, je pense que c'est vraiment aussi un sujet très important d'aborder, à savoir la vision parfaitement industrielle de la médecine et les atrocités auxquelles ça va nous mener avec l'amélioration de l'homme, il paraît, on est prêt à rigoler. Du coup, l'homéopathie elle-même n'a pas été épargnée. Il faut bien croire qu'on fait partie, on baigne dans le même problème. Tout ceci, d'ailleurs, ce que je te raconte n'est pas nouveau, puisque Ivan Illich avait déjà largement vu venir le problème, et son seul tort à Ivan Illich, ça a été d'avoir raison avant tout le monde. Je te reconseille d'aller lire sa Némésis médicale, qui existe, je pense, en français, oui, et tu seras, je pense, tout à fait étonné de voir la prescience de ce très grand philosophe qui commence à être, je crois, un peu plus étudié. Donc l'homéopathie, le problème c'est que c'est compliqué, et oui, et que non seulement c'est compliqué, mais ça demande beaucoup de travail, et ça demande du courage, et ça demande des efforts. Donc depuis le début, les gens ont trouvé que c'était trop compliqué, ils sont mis à simplifier. Résultat des courses, on est arrivé, quand du vivant de Hahnemann, il se pointe à Paris pour voir comment pratiquaient les médecins parisiens, alors là il fait des grands yeux, et il leur dit « mais enfin messieurs, dans un art qui sauve la vie, négliger d'apprendre c'est criminel ». Et effectivement, les propos de Hahnemann, là encore, sont avérés prophétiques, parce que quand on voit le nombre de types qui vous donnent de l'homéopathie sans l'avoir apprise, on en est là. En ce qui me concerne, donc, pour en revenir à ma petite personne, je peux résumer parce que, oui, j'ai passé 3 décennies au front. C'est vrai que je me suis lancé dans la médecine pour devenir homéopathe, donc j'ai validé ma pratique de médecine générale à la fac de Grenoble. Et... ce qui est vraiment terrible dans une pratique de médecine générale, en gardant les yeux ouverts, c'est de voir cette infinie misère des gens, cette détresse mais permanente. Les gens arrivent, ils n'en peuvent plus, ils prennent des traitements dont ils ne voient pas la fin, qui sont remplacés par d'autres traitements dont on ne voit pas la fin, qui vont provoquer d'autres troubles par les interactions médicamenteuses, et donc, je veux dire, le symptôme est évident que la plupart des médecins qui sont lucides finissent par ne plus faire de médecine. Ils sont tellement dégoûtés qu'ils deviennent hommes politiques, qu'ils deviennent businessmen, qu'ils font ce qu'ils veulent. Mais ils veulent tous sortir de la médecine, ce qui est normal. Donc en fait, si tu veux, il y a un énorme décalage entre ce qu'on nous vend sous la forme de méga publicité, la science, le microscope, le mec en blouse blanche, tout ce que tu veux, et la réalité absolument pitoyable des malades qui sont condamnés à soit errer de médicament en médicament, soit errer de médecin en médecin. Alors ça, la Sécu y veille, on n'a plus le droit de faire le nomadisme médical, c'est assez amusant. Et ce qui est terriblement la réalité qui est celle d'un vrai médecin homéopathe, c'est que toute cette souffrance depuis des années, tu arrives à donner un traitement ridicule qui vaut rien, parce que la plupart du temps, tu donnes des globules à tes propres patients, et tu arrives du coup à un résultat qui est qu'en quelques jours, souvent quelques semaines maximum, ils sont complètement guéris. Donc c'est tout à fait déprimant. Et là encore, je te demande quelle est la pratique pour un médecin qui aurait 30% de réussite avec le placebo. Je peux te dire que son cabinet ne devrait pas durer très longtemps. Voilà. En un mot, j'ai fait donc, comme je t'ai dit, mes études à Grenoble, et j'ai notamment travaillé en médecine infectieuse auprès du professeur Micou, et je soignais mes patients avec l'homéopathie, avec des résultats tout à fait sidérants. Puis j'ai aussi eu un autre stage en hôpital périphérique, dont je te tairai le nom, puisque dans ce périphérique-là, j'ai fini par avoir mon patron qui m'a convoqué, il me dit « mais tu ne te souviens pas qui m'a appelé ?» Non, je ne vois pas. Et il me fait « voilà, c'est la propriétaire de la pharmacie en face qui m'a demandé de t'interdire de prescrire l'homéopathie. Parce que depuis que tu sévis, son chiffre d'affaires s'est cassé la gueule. » Donc voilà un petit peu la réalité à laquelle on se frotte quand on est homéopathe. Sans ajouter là-dessus le fait que, toujours avec mes propres sous, j'ai voyagé beaucoup dans le monde entier, et on pourra
évoqué cette notion essentielle du niveau de santé des gens en Europe, qui est tout à fait lamentable, ce qui m'a permis, heureusement, de me frotter à toutes sortes de maladies qu'on ne voit plus, comme le choléra, avec des résultats tout à fait épatants, puisqu'il suffisait d'une demi-journée de traitement pour avoir des résultats. J'ai tenu aussi le service des urgences au Burkina Faso, à l'hôpital de Bobo, où j'ai soigné aussi les gens qu'avec l'homéopathie. Mais je pense qu'ils n'étaient pas au courant que c'était du placebo, ils avaient l'air d'être plutôt contents, les gens. Voilà, donc l'idée, c'est de me qualifier, je pense, comme un homme de terrain. Moi, ce qu'il me faut en tant que médecin, je veux des résultats, je veux guérir mes malades. Et tu verras ici le premier paragraphe de l'organon. C'est par ça que Hahnemann commence en disant « La plus haute et même l'unique vocation du médecin, c'est de rétablir la santé des gens malades. » C'est ce qu'on appelle guérir. Je peux développer là-dessus aussi pendant un bon moment, si tu le désires. Voilà, je pense que ça résume tout le problème, à savoir que, il n'y a que les gens qui ont cette volonté d'aller guérir, cette volonté d'aller au front, cette volonté d'aller au contact des malades, qui vont se donner la peine de dire « bon, ben merde, j'essaye, qu'est-ce que c'est que l'homéopathie ?» Et ils sont obligés de constater les résultats. Les autres, ils vont tourner dans leur petite tête, à sortir des arguments fallacieux pour, contre, etc. Mais ils ont tous un point commun, c'est qu'ils ne sont pas réellement intéressés par le sort des malades. Et c'est ça qui fait toute la différence. Moralité, du coup, tu vois, tu t'es documenté indirectement sur ma petite personne, du coup, tu t'es retrouvé avec des informations fausses, tronquées, inexactes. Et tu vois, c'est ça l'exemple nous donne les limites de tout ce qui n'est pas le fait d'expérimenter sur soi. Et ici, la phrase d'Einstein s'impose, c'est-à-dire que la connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information, et je pense qu'il avait tout à fait raison. Et c'est pareil pour l'homéopathie, si tu veux avancer, voir la médecine de près, regarder la réalité des gens souffrants, des gens qui sont chroniquement intoxiqués avec un résultat lamentable, eh bien effectivement, tu vas finir par comprendre que la seule manière de faire, c'est d'essayer par toi-même, sachant que de toute façon, c'est certainement pas dans les journaux que tu pourras avoir des réponses. Voilà, fin de l'émission. Et rendez-vous à la prochaine. Très cher Edouard, on va se tutoyer puisque on a décidé de se tutoyer en privé. Alors, je vais répondre à tes premières questions, mais comme tu t'en doutes, si tu es invité sur ma chaîne, c'est pas tellement le but que soit moi qui soit interviewé. Bon, je comprends tout à fait, faisons connaissance un minimum, donc je réponds volontiers à tes questions. Alors, je n'ai aucune formation universitaire, je suis autodidacte. Et l'accueil qui m'a été réservé par des personnes qui, elles, sont de formation universitaire sur mes autres vidéos, comme la cosmologie, l'astrophysique avec Jean-Pierre Petit, ou l'obstétrique avec Fake 11, tout ça te renseignera donc sur ma capacité, en tout cas, à jongler avec les concepts issus de la méthode scientifique et de la science. Ma méthode est également en constante évolution, et tu verras que c'est un petit peu le sujet central, finalement, de ma chaîne. Et je ne doute pas qu'à l'issue de notre entretien, par exemple, ma méthode progressera encore. Parce que versus, c'est à chaque fois très enrichissant. Bon, alors j'espère que ces questions-là, c'était quand même pas des questions pièges, parce que si le but, c'est de dire... Si je suis universitaire, alors je suis corrompu par le système. Ce qui marche aussi d'ailleurs, si je ne suis pas universitaire, alors je ne suis pas qualifié pour parler de blablabla. J'espère qu'on ne va pas s'embourber dans un débat qui n'a que très très peu d'intérêt, vu le sujet qu'on va aborder. Pour répondre à ta deuxième question, je n'ai absolument aucun conflit d'intérêt. Moi, je vis sous un statut particulier en Belgique, qui est à peu près l'équivalent du statut des intermittents du spectacle qu'il y a en France. Rien à voir, ni de près ni de loin, avec ce qui nous préoccupe donc ici. Mon truc, si tu veux, c'est de faire des films. Tu me demandes enfin pourquoi j'ai sorti autant d'énormités au sujet de l'homéopathie dans mes vidéos Fake 8.1 et 8.2. J'ai envie de te dire, faisons au moins un petit tour de chauffe avant de s'opposer des arguments aussi frontaux. L'objectif de la présente invitation, c'est pas de déceler où étaient mes erreurs dans les vidéos Fake 8.1 ou 8.2. Alors, ça fait partie des objectifs, mais dans la mesure où tu as déjà réalisé 3 vidéos de plusieurs heures sur le sujet, c'est pas l'objectif principal de cet entretien. Je rappelle que tes vidéos sont dans la description. Mesdames et messieurs, n'hésitez pas à aller consulter tout ça. Non, mon invitation a pour objectif principal de comprendre comment tu en es venu à être certain que l'homéopathie fonctionne. Je pense que c'est plus intéressant d'essayer de comprendre comment toi tu en arrives à être convaincu de tout ça que de commencer à s'opposer des arguments, refaire un débat qui a été fait 1000 fois. Moi je m'intéresse à la construction de tes convictions. Et pour ce qui est d'opposer nos arguments, on pourra le faire avec plaisir, mais je propose qu'on le fasse un petit peu plus tard dans le débat si ça ne te dérange pas, si évidemment tout ça te convient. Et si je dis ça, c'est parce que si je devais déjà parler ou contredire tes arguments,
Je devrais déjà évoquer, ne serait-ce que pour tes trois premières questions, l'argument d'autorité. Mes diplômes n'ont aucune importance dès lors que j'expose ma méthode. Je devrais parler de ce que sont réellement les conflits d'intérêts, pourquoi en réalité, dans la science, c'est un danger relativement faible face à d'autres gros dangers comme le biais de publication, le coût des revues, la difficulté d'accéder à la connaissance, etc. Je devrais aussi te dire que poser une question sous forme d'affirmation, c'est pas très Charlie. Quand tu commences directement en disant pourquoi j'ai dit autant d'énormités sur l'homéopathie, tu commences avec la conclusion qui est dans ta question. On dirait que c'est un acquis, alors qu'on est là pour en discuter. Par exemple, toi, tu dis que tu n'as aucun conflit d'intérêts, mais c'est bien ton business que tu défends dans ces trois vidéos. Tu es homéopathe. Alors bien sûr que c'est normal, mais tu vois, on devrait déjà débattre sur ce qu'on appelle un conflit d'intérêts. Tu dis aussi que les sceptiques font du copier-coller. Oui, mais si ils avaient raison, imaginons qu'ils ont raison, ce serait pas un peu normal qu'ils disent tous la même chose, si cette chose est vraie? C'est encore un autre débat. Comment on fait la différence entre du copier-coller et simplement la vérité, qui, puisqu'elle est la vérité, est répétée? Alors, tu dis qu'on oublie le nom des politiciens, mais pas ceux des homéopathes. Il y a quand même des arguments qui vont pas dans le sens de ce que tu dis, là. Je peux pas... Ça ferait encore un autre débat. Tu dis que tout le monde peut constater que l'arnica fonctionne, mais il y a un débat entier à faire là-dessus. Parce que si c'était aussi simple, comment ça se fait qu'on est dans cette situation, tu vois? Encore une conversation. Tu dis que les sceptiques affirment que les mamans qui voient l'efficacité de l'arnica rêvent ou ont du mal comprendre ou quelque chose... Alors, jamais j'ai dit ça. Moi, j'ai d'ailleurs toujours commencé mes vidéos sur l'homéopathie en disant que ça marchait, pour la bonne et simple raison que je ne prends pas les gens pour des imbéciles. Il y a effectivement des sceptiques qui ont cette attitude, mais c'est vraiment pas le reflet de la communauté sceptique. Et quand je dis « ça marche », j'ai été très critiqué pour avoir dit que ça marchait. C'est bien entendu pas dans le sens « ça marche » au sens où l'homéopathie le prétend. Par contre, ce que je voulais dire par mon « ça marche », c'est « vous n'inventez pas un effet ». Donc ça, c'est pas un truc que je dis. Mais tu vois, ça ferait encore un débat. Le niveau de formation en médecine est lamentable. Gros débat. Les médecins ne savent plus faire un examen correct pour preuve le cas précis que tu présentes, etc. Bon, ben encore un débat. Est-ce qu'un cas précis suffit, blablabla. Enfin, tu vois, on est parti pour des heures juste pour cette question. Les étudiants en médecine sont en mauvaise santé. Ben, on peut débattre de ce que ça veut vraiment dire. Est-ce que c'est le fait d'être étudiant en médecine qui les rend en mauvaise santé? Est-ce que c'est pas un truc un peu typique aux étudiants d'être en mauvaise santé? Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Les médecins ne se donnent pas la peine de voir comment leurs patients se sentent, ni s'ils sont satisfaits de leur traitement. Alors, gros débat, parce qu'effectivement, il y a des médecins qui se conduisent comme des ordures, mais il y en a beaucoup qui prennent le temps de faire ces choses-là, qui font ça bien et qui font bien leur taf. Il y a des choses intéressantes à dire sur ce sujet, dans un sens comme dans l'autre, mais c'est encore un débat entier. La médecine conventionnelle a pour objectif de générer un maximum d'examens pour faire un maximum de fric. Débat, moi je peux pas... Il y a un débat entier à avoir là-dessus aussi. Alors, tu parles d'intelligence artificielle, d'humain augmenté, bref, de transhumanisme. C'est un sujet que j'aime beaucoup, mais la vache, là on est parti pour 25 vidéos. Un médecin lucide finit par abandonner la médecine conventionnelle. Et ça, tu l'as déduit il y a plus de 30 ans quand tu faisais tes études de médecine conventionnelle à force de voir la détresse des patients. Il y a plein de débats à avoir sur toute cette construction-là. Déjà, c'était il y a plus de 30 ans. C'était où? Dans quelles circonstances? De quels patients on parle réellement? Etc. Et je dis pas que la médecine est parfaite, il y a énormément de choses à pointer du doigt, mais justement, il faut le faire avec prudence. Et là, tout ça comme ça dans une grosse soupe, pour moi, il y a un débat à avoir avant de pouvoir poser ça comme une base, comme une affirmation de base. Tu soignes le choléra avec de l'homéopathie. Alors je sais pas si j'ai bien compris, mais si c'est ça que t'as dit, il y a un gros débat à avoir aussi. Il faut une volonté de guérir les malades pour constater les résultats de l'homéopathie. Ceux qui concluent qu'elle ne fonctionne pas ne sont pas intéressés par le sort des malades. C'est une énorme accusation. C'est vraiment une énorme accusation. Moi, j'aimerais bien qu'on parle de ce qui ne va pas dans le sens de cette accusation. Mais si on le fait, on est de nouveau parti pour 25 vidéos. Mes informations sur toi étaient inexactes. En effet, je te remercie d'ailleurs de les avoir corrigées. Et c'était bien le but de ma démarche. Si tu te souviens bien, je le dis d'ailleurs dans la vidéo. Les infos qui circulent sur toi, elles sont difficiles à trouver. Je te remercie de l'avoir corrigée. Maintenant, est-ce que c'est significatif de ma méthode? J'ai pas trop l'impression, dans la mesure où déjà de base je te demandais de me corriger, ensuite il y a beaucoup plus d'informations qui circulent au sujet de l'homéopathie que sur toi. Donc c'est déjà, tu vois, on peut pas vraiment... Mais je comprends que ça incite à la méfiance, et c'est une très bonne chose. Tu dis qu'Einstein a dit que la connaissance s'obtenait par l'expérience. Alors, le truc c'est que Einstein, moi je connais pas mal. Je connais assez bien sa vie, j'ai lu pas mal de trucs sur lui.
normal, physique, etc. C'est vraiment une passion pour moi, la physique. Et s'il y a une chose que je sais sur Einstein, c'est que quand il parle d'expérience, à ton avis, il parle d'expérience personnelle, de vécu, ou il parle d'expérience scientifique, d'expérimentation du réel, justement pour supprimer l'influence de l'expérience personnelle. Il y a un débat à avoir. Donc voilà, ça, c'est 19 débats. C'est sur base de ta réponse, il y a 19 débats à avoir. Et ça veut dire un truc très problématique dans ce genre de vidéo, c'est que soit on décide de te croire, parce que, pourquoi ? Parce que tu nous parais sincère, enfin tu vois, c'est pas très sérieux, c'est pas très rationnel. Soit on décide de te croire sur les 19 affirmations, soit on se met à décortiquer 19 affirmations et on est parti pour des plombes alors qu'on n'a même pas entamé le sujet. Et si je te dis ça, c'est parce que je te le dis en toute franchise, je ne suis d'accord avec pratiquement rien dans ces 19 affirmations. Dans Versus, je propose une autre approche. Je te propose qu'on analyse comment, avec quelle méthode, tu produis ces 19 affirmations. Quelle est ta façon de faire qui génère ces 19 affirmations et qui générerait évidemment l'infinité d'autres affirmations que tu pourrais produire. Parce que je sens bien que tu as une construction immense de la réalité de l'homéopathie. L'intérêt d'analyser ta méthode, c'est que si on constate que ta méthode est robuste, eh ben, c'est un peu la porte d'entrée pour pouvoir faire confiance en tes affirmations. Mais en l'état actuel, on ne peut pas faire confiance en tes affirmations. Et le deuxième effet qui se coule, c'est que si on remarque que ta méthode est robuste, eh ben, on pourra en plus la faire nôtre, sans enrichir notre propre méthode grâce à la tienne. Et du coup, bah, ça nous aidera à aller dans ton sens et peut-être à mener des combats communs, pourquoi pas. Mais si ta méthode présente des défauts, alors bah, je compte bien entendu sur ta bonne foi et ta qualité humaine indéniable pour y repenser à tête reposée, etc. Et nous dire éventuellement ce que ça change dans ton discours. Parce que enchaîner les arguments comme tu l'as fait là, ça nous renvoie au problème du millefeuille argumentatif. Je t'ai dit, hein, on comprend bien que tu as une construction qui se tient de ta conviction de médecin homéopathe et que tu voudrais qu'on comprenne toute cette construction avant de la critiquer. C'est tout à fait naturel, mais moi je vais pas critiquer ta construction en elle-même. Je vais pas, pas pour l'instant en tout cas. Ce que je veux, c'est tout simplement commencer par comprendre comment et pourquoi tu as assemblé toutes ces pièces. Et je veux le faire avec des questions le plus simples possible, progressivement. Et si je tombe moi-même dans le travers du millefeuille argumentatif, ça m'arrive, hein, ça m'est arrivé dans presque tous les autres versus, n'hésite pas à me le signaler en vidéo, hein, c'est un petit peu tout l'intérêt de la démarche. Je vais donc conclure mon intervention sur une question importante. J'aimerais tout simplement savoir à quel point tu es sûr que ta construction est la vérité. Donc sur une échelle de 0 à 100, 0 étant « je n'ai aucune certitude, je n'ai que des doutes », et 100 étant « je n'ai aucun doute, je n'ai que des certitudes », à quel niveau te situes-tu ? Moi personnellement, pour l'homéopathie, je me situe plus ou moins à 3 ou 4 sur 100. Mais je voudrais savoir juste toi où tu te situes sur une telle échelle. C'est pas pour en faire un argument mathématique, hein, c'est vraiment pour avoir une idée, une impression, quoi. C'est vraiment pour avoir un feeling. On sait tous que c'est de la pifométrie, mais ça me permettrait de savoir à quel point tu es certain de ce que tu dis. Donc je propose une échelle de 0 à 100, mais ça peut être n'importe quoi d'autre, hein. Donc voilà, c'est pour avoir une idée de ton taux de certitude que l'homéopathie a un effet supérieur aux effets contextuels combinés à la guérison spontanée du corps. Ça y est, voilà, je lance mon petit enregistrement. Rebonjour Samuel, merci pour ta réponse. Donc on est à l'épisode 2 en ce qui me concerne. Je ne sais plus exactement comment tu fais tes numérotations, mais ce n'est pas très grave, on va essayer d'avancer. Je t'ai fait mon petit fond genevois que j'aime bien et je te repasse là-dessus sur notre petite Airbnb numéro 2, si je ne m'abuse. Voilà. Il y avait pas mal de choses à dire, mais là encore, je crois bien que je ne veux pas éterniser le débat et il ne me semble pas inintéressant juste pour relever dans ta réponse que si, Einstein indubitablement nous parle de ce qu'il appelle en fait l'expérience et pas simplement l'expérimentation. Quand tu regardes la source anglaise de la référence, qui est la source d'origine, le patron ici, Einstein, dit ceci: « The only source of knowledge is experience ». En anglais, autrement, il aurait mis « experiment », ce qui permet donc de trancher le débat. Tu ne peux pas regarder Einstein comme autrement qu'une personnalité extrêmement fine, justement parce qu'il avait cette personnalité extrêmement cultivée
Et surtout cette imagination, parce qu'il raconte comment il se voyait chevaucher un photon, et c'est à partir de là qu'il a imaginé la relativité, c'est tout à fait passionnant de regarder sa narration. Je trouve ça, tout le monde devrait l'avoir étudié. Donc, c'est pour ça que je voudrais juste rebondir un instant sur ta notion de millefeuille argumentatif ou argumentaire. J'étais obligé d'aller regarder sur Google ce que ça voulait dire. Et à chaque fois, sincèrement, il n'y a que deux références dans l'ensemble de Google, du moins en français. Et pour moi, c'est quelque chose qui est à soi tout seul, tout un symbole. Dans le sens que chaque fois que tu trouves ce terme, millefeuille argumentaire, c'est un contexte toujours qui est extrêmement péjoratif. Il y a un site qui en parle en parlant de moisissure argumentative. Et je trouve vraiment intéressant ici de voir qu'on est en train de développer tout un tas d'outils pour analyser les outils, mais pas se donner la peine de plonger dans le cœur du sujet. Tu me disais, je serais curieux de savoir ta méthode, mais ma méthode, elle est extrêmement basique. C'est celle qui a fait sa preuve depuis l'Antiquité, à savoir finalement ce que Descartes a résumé en disant que on est le sujet pensant au centre de la scène et c'est au sujet pensant de se forger son opinion d'après justement sa propre expérience personnelle. C'est ce que dit Einstein là encore en substance, c'est-à-dire qu'il faut retrousser ses manches et plonger les mains dans le cambouis et apprendre. Si je devais faire une émission par exemple sur les pyramides, personnellement, je serais obligé d'évoquer toutes ces notions d'architecture ancienne, je serais obligé d'évoquer de fond en comble, d'étudier les différentes dynasties qui se sont tenues, il y en a un paquet. Je serais obligé d'évoquer Champollion et puis d'apprendre comment il a eu l'idée de revenir au Copte pour déchiffrer les hiéroglyphes, comment il a baisé l'anglais Adams qui en plus avait la pierre de Rosette en propre. Tu es obligé de développer tout un tas de notions connexes. C'est cette notion fondamentale de culture générale, de vision globale, qui est justement là, exactement l'opposé de ce que tu amènes dans cette notion de millefeuille argumentaire où tu penses que tu vas pouvoir discuter un seul petit point isolé du contexte. Je ne nie pas une seule seconde qu'il faille mettre au point chaque argument. D'ailleurs, ce que j'avais sorti, ce n'était pas de l'argumentation, c'était une présentation générale. Et il ne s'agit pas, là encore, de points faibles qui, compactés, font que c'est tellement indigeste que tu ne peux pas répondre. Tu as effectivement des réfutations comme ça qui sont 100 fois plus longue que ce qu'on veut réfuter, ce qui fait que c'est tellement imbuvable qu'au bout du compte, on n'en peut plus. J'ai pas mal de livres en tête là-dessus. Donc l'idée, c'est que le millefeuille argumentaire, c'est une chose, mais si tu veux étudier une question, il y a un dicton qui dit qu'il faut être cherchant, persévérant et souffrant. Et tu n'en sortiras jamais. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies vraiment le cœur de chercher à comprendre et à te documenter de manière la plus vaste possible. Deuxièmement, ça ne se fait pas du jour au lendemain et donc il faut persévérer. Et surtout, troisièmement, il faut accepter de donner de sa propre personne et vraiment, ce n'est pas marrant des fois de se creuser la tête alors que les autres ils vont sortir au bal le samedi soir. Toi, tu es là comme un con à travailler, évidemment, ça a un prix. Si tu veux donc arriver à piger ce qui se passe en médecine, et notamment en homéopathie, bien sûr, personne ne peut avoir la moindre opinion, pour moi, fondée de la médecine, qui n'a pas plongé ses mains justement dans le cambouis et qui n'a pas été au contact de la souffrance des gens. C'est trop facile d'être derrière un bureau et puis de dire « Oh bah tiens, ça, sur telle analyse, j'ouvre un journal ». C'est ce que font aujourd'hui d'ailleurs la plupart des médecins. Mais eux, ils ont au moins l'excuse d'être confrontés aux patients. Et combien, en étant confrontés aux patients, sont réellement prêts à suivre la souffrance des gens ? Si je fréquente les quelques rares allopathes que j'ai comme copains, c'est trop facile. Un jour, on vient pour la crise d'asthme, le lendemain, on va aller consulter pour les hémorroïdes, le surlendemain, on va parler des maux de tête et on donnera un antimigraineux. C'est tellement facile de voir que tu sanctionnes, tu saucissonnes les patients en autant de symptômes, tu donnes autant de drogues et ciao, cassez-vous, revenez demain, l'affaire est dans le sac. Je ne peux pas appeler ça de la médecine et effectivement, je ne me prive pas de le dire. Donc tu vois que ici déjà ce qu'on a comme divergence, c'est que je ne suis pas d'accord qu'on ne puisse pas s'offrir cette pensée qui est directement celle de l'humanisme. Quand tu prends un type comme De Vinci par exemple, il était aussi bien médecin, architecte, tout ce que tu veux. Alors bien sûr, avec des limitations, j'imagine bien qu'il ne pourrait pas passer son diplôme médical à l'heure actuelle. Mais le problème est que tu te retrouves devant une situation où aujourd'hui, à force d'hyper-spécialisation, tu n'es plus capable de voir la vue d'ensemble.
Début 45, les Allemands, pour la première fois, ont eu l'idée de regrouper leurs états-majors, celui de l'Est et celui de l'Ouest, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte de manière catastrophique qu'a été la réalité du front. Ben, c'est vraiment ça, cette notion d'hyperspécialisation. Tu perds complètement de vue ce que tu es en train de faire en étant hyperspécialisé. Qui plus est, on soulève ici, du coup, cette vision réductionniste qui est parfaitement adaptée à l'étude du monde inanimé. J'imagine très bien que si je veux ouvrir ma souris ici, ben je vais pouvoir la démonter, voir comment elle est fabriquée, etc. En d'autres termes, cette vision réductionniste, elle a porté des fruits merveilleux dans la découverte du monde inanimé. Mais quand tu cherches à prendre cette méthode réductionniste pour l'adapter au monde vivant, c'est là que ça commence à déconner. Parce que le monde du vivant, je suis désolé, réductionniste ne permettra pas de l'appréhender. Le seul intérêt, dans tous les sens du terme intérêt, de la vision réductionniste, c'est qu'elle est parfaitement adaptée à la vision industrielle. Parce que quand tu as une industrie, ben, tu vas découper, c'est Taylor qui a montré ça, bien sûr, hein, la fameuse taylorisation, tu vas découper en autant de sous-processus pour finir par fabriquer, mettons, ta bagnole qui va sortir des ateliers. C'est parfait. Et effectivement, quand tu penses que c'est aujourd'hui une industrie qui est en train de gouverner la médecine, il est logique que la vision de la médecine devienne une vision industrielle, c'est-à-dire complètement réductionniste. Je précise avant que là-dessus tu ne rebondisses que je ne nie pas une seule seconde la science. Je prétends, excuse-moi, aussi d'être de formation et je défends farouchement la culture scientifique. Pour moi, c'est toujours intéressant de savoir à quoi servent les mitochondries, comment est le cytochrome P à l'intérieur, comment tout ceci est fabriqué, même à chaque fois qu'on va découvrir quelque chose, ça va susciter au moins 100 nouvelles questions. Regarde ce qui s'est passé pour l'ADN, par exemple. On a découvert l'ADN, Watson et Crick ont eu leur prix Nobel. Résultat des courses, on a tous cru que c'était magnifique avec l'ADN, on allait tout comprendre. Alors très bien, on a décrypté le génome humain, et où est-ce qu'on en est exactement? Ah ben on se rend compte que tous les gènes sont tous plus ou moins intriqués les uns avec les autres, et que tout est fait pour qu'il n'y ait pas de mutation. On se rend compte que l'expression des gènes elle-même, elle va être totalement modulée par les histones. Donc un petit peu, toute l'image qui vient à l'esprit, c'est comme si on avait un piano et qu'on va avoir des touches, mais on ne sait pas quelle est la mélodie qui va être jouée. Donc le fait de connaître les touches ne nous arrange pas pour connaître les mélodies. Donc c'est passionnant, et à chaque fois, c'est de la science. C'est une connaissance générale. Mais là encore, moi en tant que médecin, je te dis, qu'est-ce que ça va nous permettre de faire pour guérir les gens? Alors, du coup, tu me posais la question à laquelle je vais répondre sur la conviction sur l'effet de l'homéopathie, mais Samuel, je crois que l'échelle que tu me proposes est carrément trop petite. Là, derrière, tu as la photo de l'Himalaya qui me convient très bien pour te donner une échelle. Sur 0 à 1 milliard, je suis sur 1 milliard. C'est quelque chose que j'aimerais te montrer. C'est l'espèce d'émerveillement que tu as. Et tous ceux qui ont appris correctement l'homéopathie partagent cet émerveillement ensuite. C'est le résultat qui est tellement rapide, tellement complet, tellement quelque chose, je dirais, d'étonnant, que tu gardes une âme d'enfant et tu dis, ouais, c'est, en 30 ans de bouteille, tu continues d'être émerveillé parce que tu vois l'effet quasi instantané du médicament que tu vas produire. Alors bien sûr, attention, là je te parle d'homéopathie, tu m'interviews sur l'homéopathie, je ne te parle pas des charlots nombreux qui prescrivent des globules. Je te parle de la véritable homéopathie, c'est pour ça que je t'avais dit qu'il fallait définir l'homéopathie aussi. Alors bien sûr, du coup, dans une société qui est sur la culture du relativisme, où chacun a sa petite opinion, qu'on va tous se respecter les uns les autres, ça s'appelle en fait techniquement de l'irénisme, où sont les hommes engagés? Eh bien justement, ceux qui ont vu l'homéopathie, ses résultats, sont obligés de devenir des hommes engagés. Tu me regardes, je deviens de plus en plus monobloc. Ça ne veut pas dire que je refuse la discussion, au contraire, je désire que partager ce que j'ai découvert. Et par rapport à nos confrères médecins, c'est comme s'il y avait une rivière et que nous, on avait tous été élevés sur une des berges de cette rivière. Et je dis juste une simple chose. Les mecs, rejoignez-nous, faites la traversée et venez voir ce qu'on a de l'autre côté de la rivière. Là encore, la question intéressante, c'est que quel niveau d'engagement, toi, tu as sur une idée où tu serais prêt, s'il y avait lieu, à sacrifier ta vie? Il n'y a pas beaucoup d'hommes aujourd'hui qui sont capables de ça, me semble-t-il. Normalement, ce qu'on attendra d'un homéopathe, c'est justement la hauteur de cet engagement. Engagement qui fait que je pense que tu as vu un petit peu ce qui explique parfois la vivacité de certaines de mes réactions, parce qu'au bout de 30 ans d'insultes, c'est difficile à gérer. Tu vas encore passer les colibés, les ricanements, parce que qui te soutient? Les patients.
parce que tu as les résultats et les patients accourent. Ici, je suis au Maroc, à Agadir, et je passe quelques jours au soleil, et je vois de près la réaction des locaux, qui n'avaient pas la moindre foutue idée de ce que c'était que l'homéopathie. Et donc, ils ont essayé, et tu vois maintenant le bouche-à-oreille qui fonctionne, avec les résultats qui sont frappants sur toutes sortes de pathologies, qui passent de la gangrène au diabète, par les migraines, enfin, tout ce que tu pourras imaginer. Et les gens, unanimement, vont revenir en disant, écoutez, c'est super, parce que alors là, du coup, on dépense plus d'argent en médicaments, parce que là, il faut vraiment que tu vois qu'ici, les gens ne sont pas du tout remboursés. Ils n'ont pas un centime pour payer leurs frais. Et donc, qui est-ce qui a raison face au patient? C'est celui qui va proposer, là encore, le traitement le moins toxique, le plus rapide et le moins onéreux. Ça s'appelle l'homéopathie, tout simplement. À cet égard, du coup, je voudrais arriver à soulever le problème de la preuve. Parce que ce que je te raconte, dans le fond, ça peut être, je peux être complètement dingue, je peux être mythomane, je peux être un falsificateur, tout ce que tu pourras imaginer. Dans le fond, pourquoi tu vas me croire, moi? Déjà, tu as quelques indices du fait que, contrairement, je ne sais pas moi, à la lecture dans le blanc d'œuf ou à l'astrologie, tu peux toujours avoir des tournures, on va dire, cryptiques qui font que tout l'astrologue va plus ou moins retomber sur ses pattes, ça ne mange pas de pain. Mais en ce qui concerne la médecine, le résultat, il est on ou il est off. C'est-à-dire que soit tu as un résultat et il doit être le plus brillant possible pour frapper les patients, qui dès lors deviennent justement les premiers à soutenir l'homéopathie. Soit tu n'as pas de résultat, la sanction clinique, elle tombe très vite. À la rigueur, peut-être qu'on pourrait imaginer qu'un mec avec des bougies, un turban et une boule de cristal puisse sélectionner une clientèle de gens parfaitement frappés à leur tour, et les convaincre qu'il les a améliorés et qu'il a influencé le patient pour arriver à lui faire ressentir un certain mieux-être. Pourquoi pas? Mais là encore, tu remarqueras que je ne boxe pas dans cette catégorie. Donc, j'en reviens à la notion importante de preuve. Je t'ai sorti ici un petit fragment d'article qui vient du site Bastamag, où on peut trouver un article qui s'appelle, enfin une série d'articles, Pharma Papers, je crois. Je t'en recommande chaudement la lecture pour que tu mesures un petit peu la situation de la médecine et relativement de la médecine, l'homéopathie. La question est que si tu additionnes le chiffre d'affaires mondial, j'ai dû dire en France, ici je m'excuse, j'ai fait une erreur, c'est une coquille dont on voudra bien me pardonner. L'idée c'est le chiffre d'affaires en milliards d'euros additionné de toutes ces compagnies arrive à un peu moins de 200 milliards. Je ne sais pas quel est le budget de l'Europe, mais à mon avis, on doit être loin devant. En tout cas, ce sera intéressant d'établir des comparaisons. Je ne peux même pas imaginer ce que ça représente comme chiffre d'affaires, 170 milliards d'euros. Donc, tu peux quand même concevoir que tous ces gens qui partagent les mêmes intérêts puissent tous aller au club de golf en même temps, coucher ensemble, le cas échéant, bien entendu, et surtout, tout faire pour pérenniser leurs profits qui sont absolument délirants. Là-dessus, Boiron est listé, ça m'a fait marrer. Et Boiron fait un chiffre de 0,6 milliards. C'est-à-dire, si je ne me suis pas trompé, 0,03%. Et alors, dans ces conditions, c'est quand même amusant de constater que tu as une campagne de folie qui dit « Ah, dérembourser l'homéopathie !» Est-ce que ça te semble vraiment justifié, eu égard, premièrement, à ces chiffres? Et deuxièmement, tu comprendras que le problème de la preuve, c'est comme je te l'ai expliqué déjà dans l'une de mes trois émissions, tu te rends compte que même les gens qui restent honnêtes, et heureusement il y en a, dans le système, sont tellement écœurés. On a deux grands directeurs de journaux, tu as les noms dans mes émissions, qui ont écrit que les différents papiers qu'on leur soumet dans les grandes revues médicales, il y en a au moins un sur deux qui sont complètement trafiqués et probablement le chiffre va bien au-delà. Alors du coup, tu te rends compte que les preuves, entre guillemets, statistiques qu'on est en train de forger, elles sont directement celles qui vont pouvoir permettre de continuer à cette industrie de générer des sommes aussi délirantes que 178 milliards d'euros. Je suis capable de faire la différence entre le chiffre d'affaires et le bénéfice. Je parle simplement ici du chiffre d'affaires. Si on veut d'autres chiffres pour se rendre compte de la situation, regardons les dépenses en lobbying, rien qu'en France, en 2017, l'année passée, on se retrouve pratiquement à 3 millions d'euros pour faire du lobbying en France. Alors tu vois derrière moi, Sanofi, machin, tous, ils dépensent toutes ces sommes folles. Si on regarde en Europe,
on arrive à pratiquement 20 millions d'euros. Je ne te dis pas ce que je ferais personnellement avec 20 millions d'euros. Et donc, 143 rendez-vous avec la commission entre 14 et 18. Est-ce que tu imagines 143 rendez-vous en 2 ans? Ça fait 70 et 20, 90 rendez-vous par an. Tu divises ça par le nombre de mois. En fait, ces gens passent leur temps à la Commission européenne. Et ça va certainement pas être pour parler de la pluie et du beau temps. Ça veut dire en fait que on est tellement dans une industrie vampire qui accapare une branche, une partie énorme de l'économie des États qu'ils vampirisent. Parce que avec cet argent, tu imagines de quelle manière on pourrait améliorer le sort de la population. Si tu me donnais pour expérimenter ne serait-ce qu'une ville de moyenne importance dont je me chargerais avec des assistants appropriés de les soigner juste par homéopathie, tu pourrais faire des statistiques là aussi certainement intéressantes. Si on regarde le lobbying à Washington, alors là c'est carrément normal, on est dans le pays du fric, imagine quand même 96 millions de dollars, ça commence à représenter quelque chose. Donc ici tu te rends compte que l'homéopathie ne pèse pratiquement rien, mais pourtant c'est leur bête noire. Par exemple, tu remarqueras qu'il n'y a aucune action contre, je ne sais pas moi, les médecines parallèles, orthogonales, là, quand ça s'appelle les autres « soignez-vous par les bonnes plantes et les tisanes ». Et pourquoi, tu me répondras? Tout simplement parce que ces gens, eux, génèrent un bénéfice justement intéressant. Donc ici, pour gagner du temps, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour aller au cœur de la cible? Tu te rends compte donc que les études sont pour l'immense majorité vérolées. Et si on prend les deux grandes études qui sont, je dirais, le cheval de Troie, le cheval de bataille des anti-homéopathiques, tu te rends compte que l'étude de nature a été trafiquée, que si tu rentres une étude de plus ou de moins, ça change complètement la donne, et que tous ceux qui l'ont repassé derrière avec un œil honnête et de scientifique honnête, je veux dire, ont constaté tous les biais de l'étude. Mais ça n'empêche pas qu'on continue de la sortir comme épouvantail. L'étude australienne, à son tour, elle s'est avérée malheureusement complètement vérolée parce que tout le monde maintenant sait qu'il y a eu la version 1 de l'étude qui montrait justement l'efficacité de l'homéopathie. À cet égard, tu diras, qu'est-ce que les Suisses sont cons? Chez moi, en Suisse, excuse-nous, le gouvernement a commandité une étude et qui a montré que l'homéopathie fonctionnait. Mais alors, celle-là, on n'en parle pas, curieusement. Donc, le problème est que déjà, structurellement, les études sont systématiquement en faveur du résultat que l'industrie attend pour continuer d'assumer ses milliards. Deuxièmement, sur le plan de l'étude et de la méthodologie elle-même, toute la difficulté, c'est que l'homéopathie est juste le contraire de cette médecine industrielle qui va donner un milliard de médicaments semblables à toutes ses victimes. L'homéopathie t'explique que tu ne peux pas faire autrement que de donner le médicament qu'attend le patient d'après son état particulier. Ça veut dire que ça ne se prête pas aux statistiques. Nous n'avons pas un médicament pour la sinusite, on n'a pas un médicament pour l'hépatite, on n'a pas un médicament pour le choléra. Qu'est-ce qu'on fait? Là encore, il faut, ça ne veut pas dire que ce soit impossible, mais il y a quelques rares études bien faites dans ce sens qui respectent la méthodologie. Là encore, tu ne peux pas tirer la moindre conséquence d'études qui ont été faites en dépit du bon sens homéopathique. Donc tu vois que si on regarde tous ces problèmes d'études dans un sens ou dans l'autre, on se retrouve à tourner en rond, parce que tous ceux qui sont là les partisans de ce que j'appelle la pensée fractionnée, ils vont te dire, tiens, je te fous cette étude à la gueule, prends l'étude australienne, non, tiens, prends nature, et moi je vais te dire, non, je suis désolé, il y a celle-là qui montre que, on va faire un combat d'études. Ce que je t'ai sorti dans mon troisième volet, je crois. Il y a quelques études correctes en homéopathie qui montrent largement, non seulement l'action de l'homéopathie sur les humains, mais sur les mollusques. Et aujourd'hui, il y a un secteur qui est en plein essor, qui est celui de l'agro-homéopathie, et on voit les effets merveilleux de l'homéopathie sur les plantes. Il devient de plus en plus difficile de contester ici l'effet clair de l'homéopathie, et encore moins l'effet, on va dire, placebo sur une tige de blé. Donc tu vois que tout ça est en plein essor et que c'est à nous d'être assez malins pour essayer de sortir du débat. Donc moi j'ai deux pistes à te proposer. La première qui t'avait surpris, c'est que le choléra, tu me dis quoi, il est fou, il parle du choléra, l'homéopathie soignait le choléra. Parce que bien sûr, quand dans un premier temps tu n'as, comme c'est le cas, et je te remercie d'ailleurs de ton honnêteté, de dire que tu te places à 3 points sur 10 je crois, pour ce qui est d'avoir une opinion favorable sur l'homéopathie, c'est le niveau standard de toute personne honnête qui n'a pas, pour l'instant, creusé la question. Je disais donc, un des bons points, une des premières pistes ici, c'est interroger les archives.
tu as pas une, mais des milliers, si ce n'est pas des dizaines de milliers d'archives qu'il suffit d'exhumer, aux États-Unis notamment, en France aussi. Je te sortirai un exemple type ici, c'est le Figaro du 13 juillet 1884. Tu pourrais aller voir l'article, ça se trouve sur Internet, on l'a sur le site. On a une mortalité de 9% comparé à 52% avec l'allopathie. Et ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que si l'homéopathie a traversé les siècles, c'est pas parce que, qu'est-ce que c'est chouette de prendre des petits globules avec de l'eau, c'est que les résultats étaient là et qu'on a toujours bénéficié du soutien populaire face au lamentable échec de la médecine classique, toujours en ce qui concerne les épidémies. Si tu vas aux États-Unis, et là je te recommanderais mon ami André Sen au Canada, qui a à ta disposition une véritable bibliothèque d'archives, tu te rendras compte des résultats époustouflants de l'homéopathie dans toutes ses affections. Choléra, fièvre jaune, épidémie de typhoïde, tout ce que tu veux. Et les résultats sont encore meilleurs parce que, ici, comme l'auteur de l'article le dit, c'est que rien que le traitement, ils appellent préservatif à l'époque, c'est assez mignon, le traitement donc de protection par l'homéopathie permet d'endiguer la plupart des cas dès le début des cas. Et c'est ce que moi aussi j'ai observé quand j'étais en Haïti. Le traitement homéopathique curatif va pouvoir te sortir ton patient en quelques heures du choléra. Bon, alors la question c'est confirmé par ces archives. Donc je pense qu'il serait vraiment intéressant d'aller les exhumer. Alors, il y a des gens qui ont commencé à regarder ces chiffres extrêmement dérangeants. Je te signale que franchement, 9% de ratage, j'en serais pas très fier, perso. Donc ça, c'est, on va dire, du traitement à tout va. Mais tu liras plus loin que la quantité de réussite en Russie, par exemple, pour la même époque, a été bien meilleure, avec seulement, je crois, 111 cas sur 1273. Et tu vois que là, ce sont des statistiques extrêmement brutes, hein, mort ou vivant. Difficile de contester. Dans le même article, tu verras aussi que j'en arrive à ça. C'est difficile parce que je dois jongler tout seul avec ma régie, tout ça, excuse, quand de temps en temps c'est un peu décousu. Je disais que l'argument classique, c'est de dire « Ah mais mon pauvre monsieur, c'est pas que l'homéopathie avait des meilleurs chiffres, c'est qu'en fait 9% c'est la mortalité naturelle de la maladie. Tout simplement parce que l'allopathie, je vais rajouter de l'époque pour être sympa, abrégeait les patients. » Eh bien non, justement, là encore, tu vois que ici le premier encadré, c'est que, dès les premiers symptômes, personne ne succombait. Eh bien, l'idée aussi, c'est que, le texte, c'est que, si c'est derrière moi du coup, si les gens, on a remarqué que si on les laissait évoluer spontanément, eh bien, ils mourraient tous. Donc, l'excuse ici de dire que c'est l'allopathie, enfin c'est le fait de ne pas être exposé au traitement classique qui sauve, est un argument, là encore, battu en brèche. Il va bien falloir regarder la réalité et admettre que c'est l'homéopathie qui fonctionne. D'autant mieux ici que dans l'autre encadré, tu te rends compte que le patient, après avoir eu son traitement homéopathique, est rétabli infiniment plus vite. C'est ce que, là encore, moi j'ai observé en 2012 ou 2011, je ne sais plus quelle année c'était, le choléra. Les patients se relèvent et hop, ils vont qu'à leurs occupations. Ceux qui ont été malades à vomir et à avoir leur diarrhée pendant des semaines, tu penses bien qu'ils vont avoir besoin entre 3 à 6 mois des fois pour se retaper minimum. Et ici, ça résume tout le problème, c'est qu'il écrit en face d'un danger public, il ne doit y avoir en jeu ni doctrine ni coterie. Et malheureusement, on en est là. C'est qu'on est bien devant une coterie de l'industrie pour noyer la seule forme de médecine qui permette de rétablir les gens. Et c'est ce que je te disais en début, c'est que quand tu vois les résultats tellement étonnants de l'homéopathie, tu ne peux pas faire autrement finalement que de grimper l'Himalaya et dire « oui, j'y crois à 1000%. » L'autre manière, je pense, de sortir de l'impasse, c'est que, c'est le chemin que je te propose de prendre aussi tous les deux, parce que je compte faire marcher ton cerveau critique là-dessus, c'est que, bon, bien sûr, je te le répète, en aucun cas, je nie l'intérêt des statistiques. Je viens de finir un petit article sur des cartes antiques, si ça t'intéresse, je te le passerai, tu verras que là, je suis obligé d'avoir recours à des statistiques de manière intensive. Mais là, on parle de données purement scientifiques et géographiques. Le problème, comme tu le vois, c'est que on n'a aucune manière de faire confiance aux études actuelles. Je vois que j'ai dû dupliquer la diapo, je ne sais pas où j'ai merdé. Mais
L'autre manière, je pense, de faire, c'est celle-ci, à savoir que ce que je te propose et ce que je vais faire, parce que le public attend ça sur mon site de Facebook, c'est de vous exposer pas à pas toute la démarche homéopathique, de sorte que tu puisses voir où s'intègre la notion de dynamisation, qui est totalement facultative, c'est-à-dire que si tu veux, tu enlèves la notion de médicament dilué qui peut te froisser, parce que ça heurte de plein fouet là encore tes autres préjugés, et les miens aussi, crois bien que j'y ramais avant d'accepter que ça fonctionnait. Eh bien, même là, si je t'expose tous les points de l'homéopathie, tout ce que je te demande, c'est de bien vouloir me critiquer et de dire où je commets une erreur dans le raisonnement et le développement de l'homéopathie. Personnellement, l'autre là derrière, le mécanman, ça va faire 30 ans que j'ai cherché à le coincer et je n'y suis, je dois dire, pas encore vraiment arrivé. Donc, c'est ce que je te propose en suggestion ici aujourd'hui. Tu peux aller chercher toutes les archives et te retrouver, je pense, totalement édifié par la réalité qui va t'apparaître, à savoir les guérisons et le score de l'homéopathie absolument terrifiant. Et ces archives, sinon, peut-être que tu vas me dire qu'elles sont toutes fausses aussi. On a pu les véroler. Enfin, je te laisse analyser tout ça. Et deuxièmement, la seule manière, je crois, utile de progresser, ça va être de plancher sur l'homéopathie. Alors, sauf erreur, c'est vendredi soir, on est jeudi, donc demain soir, 19h30, sur Facebook. Si tu as l'opportunité d'être là, je te passerai un lien Zoom pour qu'en direct, tu puisses commenter et surtout me contredire. Je t'ai fait arriver dans ta boîte aussi le PDF de cet exposé. Donc, tu as tout le temps de préparer tout ce que tu voudras comme contre-argumentation. Ça sera très sympa. Et donc, j'espère vivement que tu seras là. Voilà. Bon, ben, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Voilà. Je fais encore ma petite magie informatique. Sam, je te salue bien. Et à la prochaine. Cher Edouard, il faut vraiment que tu lises la charte de l'émission dans laquelle tu as accepté d'être invité. C'est absolument pas un argument contre toi, ni contre l'homéopathie, ça nous aurait juste permis d'avoir un échange un peu plus fluide. C'est pas grave, on verra pour la suite. Ça reste très intéressant. Donc si je résume ta pensée, donc excuse-moi j'ai pris des notes, tu n'es pas comme tous les homéopathes, tu n'es pas comme je cite les charlots qui prescrivent des globules, toi tu fais de la vraie homéopathie, celle qui permet de soigner la gangrène, le diabète, les migraines, la fièvre jaune, le choléra, qui permet de faire pousser du blé de meilleure qualité et qui fonctionne sur les mollusques. Tu penses que ton expérience personnelle en tant qu'homéopathe est plus fiable que les études qui contredisent tes convictions, convictions fondées entre autres sur les témoignages de tes clients. Et de toute façon, tu considères que les études invalidant l'efficacité de l'homéopathie sont forcément vérolées, principalement à cause du fait que la médecine conventionnelle génère un plus gros bénéfice. Tu penses que les lobbies, dont la préoccupation principale est d'influencer l'opinion des hommes politiques, hein, je le rappelle, sont également capables de corrompre l'intégralité des scientifiques qui mènent ces études de par le monde, donc celles qui ont produit des résultats négatifs pour l'homéopathie. Preuve en sont les archives concernant l'homéopathie, les archives, comme cette coupure de presse de 1884 décrivant le contraire des études modernes. Tu penses que les revues scientifiques et leurs comités de lecture anonymes sont tout aussi corrompus, je suppose par les lobbies, vérolés, pour reprendre tes mots. Tu penses enfin que les fameuses études suisses et australiennes en faveur de l'homéopathie sont fiables, donc c'est-à-dire elles n'ont pas les biais de protocole dont on les accuse, et que les contradictions nombreuses qui ont été portées à leur encontre sont fausses. Tu penses que la science n'est pas en mesure d'établir un protocole capable de vérifier l'efficacité de l'homéopathie. Je suppose que tu parles là de l'étude randomisée en double aveugle. Petit lien dans la fiche pour aller voir ce que c'est l'étude randomisée en double aveugle, j'en parlais dans Fake 11. J'espère que j'ai bien résumé ton propos, n'hésite pas à me corriger dans la vidéo suivante si j'ai dit une bêtise, comme toujours. Alors, un petit mot sur l'étude randomisée, parce que, à mon sens, il suffirait par exemple qu'un expérimentateur remplace dans ta pharmacie homéopathique 50% des médicaments que tu prescris par du placebo pur, dont toi-même tu ne saurais pas faire la différence. En admettant bien sûr que ce soit toi également qui délivre le médicament à tes patients. Bon, ça je sais pas comment tu procèdes. Donc sans que toi tu saches si tu donnes à ton patient le placebo ou le bon remède, le remède homéopathique. Et qu'ensuite cet expérimentateur, qui lui sait qu'est-ce qui est le placebo, qu'est-ce qui est le bon remède, compare les résultats de guérison produits par le placebo avec les résultats de guérison produits par l'homéopathie. Arrête-moi si je me trompe, mais dans un tel cas, on saurait immédiatement à quoi s'en tenir. Si tu vois une faille à ce protocole,
N'hésite pas à me l'expliquer, voire même à me proposer un protocole plus solide pour vérifier et comparer l'effet de l'homéopathie avec l'effet de rien du tout. Du moins en termes de médicaments, hein. Je ne parle pas des effets contextuels, le reste doit être strictement identique. Un petit mot sur Einstein, qui n'a en fait jamais prononcé cette citation dont nous débattons. C'est ce que j'ai trouvé en cherchant un peu, donc Barbara Wolf, aux archives Albert Einstein de la Bibliothèque Nationale Universitaire Juive de Jérusalem, où sont conservés, comme tu sais peut-être, les écrits personnels, les papiers du physicien. Elle dit que la citation en question ne m'est pas connue et n'a pas été trouvée parmi les citations identifiables d'Einstein. Tout est en description, bien sûr, dans la vidéo. Et ça me rassure parce que Einstein savait que la première de toutes les démarches scientifiques modernes, c'est de mettre son expérience personnelle, son appréciation personnelle à l'épreuve de la réalité, pour obtenir des faits qui dépendront le moins possible de notre interprétation. Parce que si on va loin dans la philosophie des sciences, bien sûr, les faits aussi dépendent de notre interprétation. C'est un autre débat. C'est-à-dire donc en trouvant le meilleur protocole expérimental pour que ce soit la réalité et non notre perception qui fournisse le résultat. L'intégralité de la vie d'Einstein est faite de ça. En réalité, la citation que tu utilises apparaît sur un blog internet en 2012 pour la première fois, sous une forme plus courte, « The only source of knowledge is experience ». L'unique source de connaissance est l'expérience. Voilà, comme ça, sur un blog lâché un jour en 2012. La citation proviendrait en fait d'une simplification de ce qu'on trouve dans son livre, dans le livre d'Einstein, « Ideas and Opinions ». Alors, il s'agit d'un passage qui n'est d'ailleurs pas d'Einstein, mais qui est un extrait d'une conférence donnée par Herbert Spencer, un philosophe sociologue anglais, dont le thème est la critique de la raison pure. On est vraiment dans la philosophie. Et il cite alors Galilée comme le père de la méthode scientifique actuelle. Bon, alors, cher Edouard, c'est qu'une citation, bien entendu, si elle avait été d'Hahnemann et qu'elle voulait bel et bien dire ce que tu voulais dire qu'elle disait, pas très français, on n'aurait pas été plus ou moins avancé pour autant. Donc c'est absolument pas une... Ça n'a aucune importance, c'est juste pour la culture générale. Je vais arrêter ce premier épisode de Versus en te demandant pour le prochain épisode, s'il te plaît, de vraiment... éviter le millefeuille argumentatif, parce que là, tu viens d'en refaire un, tu viens de dénoncer énormément de choses que je ne peux pas contredire à moins de prendre une heure de temps. Et comme tu vois, Versus est un assemblage de nos échanges, donc nos échanges doivent être concis. J'ai en tout cas mis plusieurs sources qui parlent de cette rhétorique dans la description, si le cœur t'en dit, mais sache que ce terme vient, en fait, à ma connaissance du livre, de l'excellent livre, La démocratie des crédules de Gerald Bronner. Je crois qu'il y a même une adaptation documentaire de ce livre. Donc voilà, ça date de 2013 à peu près, j'ai en tout cas pas trouvé d'occurrence précédant à ce livre. Gerald Bronner, donc un grand sociologue, une grande figure du scepticisme francophone. Je te demanderai aussi, s'il te plaît, de bien vouloir pour l'instant mettre un peu le frein sur le prosélytisme et de me laisser un peu plus guider ce débat, dans un premier temps en tout cas. Je pense qu'on a tous bien compris que tu brûles d'envie qu'on plonge dans le fonctionnement de l'homéopathie tel que tu affirmes qu'il faut la pratiquer. Mais dans Versus, c'est pas ça que je fais. Dans Versus, ce que je fais, c'est que je regarde... non pas tes affirmations, on va pas se contredire à coup d'affirmations, mais comment tu produis tes affirmations. Je veux apprendre de toi quelle est la mécanique qui fait que tu produis la connaissance que tu veux nous enseigner. Donc je veux d'abord qu'on parle vraiment de cette mécanique. Et pour qu'on parle de cette mécanique, il faut que tu me laisses poser mes questions et que tu y répondes. Donc je te le demande vraiment gentiment, laisse-moi guider cette conversation pour que je puisse avant tout comprendre comment est construite ta certitude. Et si tu penses que pour comprendre ta méthode, il faut étudier l'homéopathie à fond, et que c'est que comme ça qu'on va pouvoir le comprendre, je te demande vraiment le bénéfice du doute, laisse-moi poser mes questions, c'est vraiment dans notre intérêt à tous, tu peux vraiment me faire confiance. Je retiens en tout cas que waouh, t'es à 1 milliard sur 1 milliard de certitudes que l'homéopathie est réelle, c'est vraiment impressionnant d'être à ce point plein de certitudes, et je pense que ça va rendre la suite du débat d'autant plus intéressant, et ça me ravit, parce que ça va nous permettre justement de bien comprendre de quoi est fait ce milliard de certitudes. Je suis obligé de finir ce premier échange en précisant aux spectateurs que je ne suis pas du tout d'accord avec le tableau que tu dresses de la médecine conventionnelle, mais alors pas du tout. Pour moi, c'est un tableau à charge, dramatique, qui assez caricatural, enfin bon voilà, mais on ne peut pas se lancer dans ce débat, malheureusement, de nouveau, puisque... on n'a pas le temps. Donc, chers abonnés, avant de faire vôtre l'une ou l'autre des affirmations qui ont été dites ici, vérifiez ce qui la contredit en faisant une recherche poussée. Comme ça, vous aurez les deux sons de cloche, vous pourrez vous faire une opinion. C'est un des fondements de l'art du doute. Je ne viendrai pas débattre en direct parce que je ne crois pas en la vertu des débats en direct. Je ne crois pas qu'il soit possible, à cause de nos émotions, autant pour les intervenants que pour le public, d'avoir un débat dépassionné, respectueux du temps de parole de chacun, dont le public ne se laisserait pas influencer par celui qui répond le plus vite avec le plus de style. Donc c'est un non définitif, je ne débattrai jamais en direct parce que je l'emporte
sorte ou que je perde, ce serait pour de mauvaises raisons. Et le format versus essaie justement d'effacer ces problèmes, donc je vais rester cohérent avec moi-même. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle pas juste versus, ça s'appelle versus point d'interrogation. Avant le petit coup de projecteur de la vidéo, n'oubliez pas que je ne peux continuer cette chaîne que parce que vous la soutenez en mettant un pouce bleu, en la partageant, en vous abonnant, mais aussi en me soutenant sur Tipeee et les autres plateformes. Grâce à tous ceux qui ont fait un geste, je peux délivrer tout ce contenu et je les remercie très 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 chaleureusement. N'hésitez pas à gonfler les rangs des soutiens à mon travail, surtout que là, vous avez vu, il y a du taf. Le petit coup de projecteur habituel, cette fois chers abonnés, je vais vous parler de la chaîne de Aude What The Fake, qui a un nombre d'abonnés scandaleusement trop bas par rapport au bon travail qu'elle fournit. Elle fait un peu en direct, comme ça dans ses vidéos, de la vérification d'informations telles que les bons journalistes sont censés tous le faire. Comme elle le dit si bien, aujourd'hui, quand on veut se faire soigner une dent, on va chez le dentiste, hein, on laisserait pas son voisin nous arracher une dent, même si il existe de très 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 mauvais dentistes. Alors pourquoi est-ce qu'on donne la même valeur aux informations délivrées par des anonymes sur Facebook et YouTube que celles délivrées par des journalistes qui, pour la plupart, font de leur mieux pour faire leur job, pour faire bien leur job, pour la plupart. C'est pas parce qu'il y a deux très mauvais journalistes qui font énormément d'éclaboussures et de scandales que l'intégralité des journalistes ne sont pas fiables. En tout cas, Aude, elle est fiable, vous pouvez lui faire confiance, elle est drôle, elle est efficace, son approche scientifique est vraiment délicieuse, faites-moi confiance, foncez. Et voilà, je crois qu'on s'est tout dit, comme toujours, chers abonnés, prenez bien soin de la méthode avec laquelle vous mettez des choses là-dedans. Pas dans la casquette, dans le crâne.